Moi, je suis venu pour changer le destin de ce club. J'espère que je vais y arriver. Et changer le destin de ce club, c'est pas se maintenir en top 14, c'est beaucoup plus que ça, quoi. C'est plus que, la ville attend beaucoup plus. Et on va essayer de lui donner avec Philippe, avec Tana, avec Aubin. On va essayer de faire en sorte que ce club retrouve un peu, non pas l'engouement, parce que ça il a toujours eu, plus ou moins fort, mais rajoute une ligne à son palmarès. C'est l'objectif. On se donne quelques années pour ça. J'espère sincèrement. Je pense que s'il y a un club qui le mérite, s'il y a un public qui le mérite, c'est Toulon. Et j'ai connu beaucoup de douleurs cette année. C'était une saison difficile. Il y a quelques joueurs qui aimeraient bien connaître, quoi, et que je ne connais pas. Moi, je suis toujours attiré par les sentiments nouveaux. Et j'ai des rêves. Je vous dis souvent, je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions. Mais j'ai quand même un rêve dans la tête. Et voilà, je vais essayer d'y arriver. Je ne sais pas. Mais ça serait. Quand on est dans une vie, la vie passe vite, quoi. Et dans la vie, il y a ceux qui ont réalisé ce qu'ils avaient envie de faire et ceux qui ne l'ont pas fait, quoi. Et moi, je vais essayer de le faire. Je voudrais que, je ne sais pas, si on pouvait simplement avoir une saison au milieu de tableau, quoi, je serais très satisfait. Bon, maintenant, je me connais. C'est bien que, et tout le monde le sait, on n'a pas fait un recrutement pour être milieu de tableau, mais il paraît que c'est le langage correct dans le rugby de dire je joue le maintien ou je joue le milieu de tableau. Je vais faire du langage correct, quoi. Et puis bon, on aura un beau championnat la saison prochaine. Je suis content d'y participer parce que peut-être pour la première fois, il y a 2-3 gros projets qui arrivent. Je inclus Toulon dedans et ça va être passionnant parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre, non, elle n'est pas entre les clubs aujourd'hui. Quand on est à la Ligue et quand on parle du rugby, on ne parle pas de ce qui est bon pour son club dans le rugby. On parle de ce qui est bon pour le rugby par rapport aux autres sports. Et la différence est importante. Et c'est bon ce qui arrive pour le rugby aujourd'hui, parce que même s'il y a des projets plus importants que Toulon, c'est bon pour le rugby. Même si Toulon demain sera une équipe moyenne, parce qu'il y a de gros projets qui doivent arriver dans la nouvelle géographie du rugby, ça sera bon pour le rugby par rapport aux autres sports.